Bonsoir, bienvenue dans votre journal. La ZANC se modernise. Après 56 ans d'existence, l'Association pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes de Nouvelle-Calédonie se dote d'un site internet très explicatif et concret pour toutes les personnes en état de vulnérabilité. Ce site rappelle les missions de l'institution. Karina Royo, Nicolas Fasquel. Tous regardent avec attention le site internet qui leur est consacré. L'AZA.nc, 150 personnes au service de la prévention des violences physiques ou psychologiques et 5 foyers d'accueil ou de placement. L'année dernière, près de 300 personnes ont été aidées. Alors forcément, ce site internet, c'est beaucoup d'émotion et de fierté pour les salariés de l'association. Je vous remercie aussi de nous donner cet outil, parce que institutionnellement, justement, souvent on ne connaît pas. Les familles qui sont démunies ou qui sont en besoin aussi, souvent on ne sait pas où s'orienter. Et à travers justement cet outil-là, elles pourront trouver leur voie et on pourra mieux les accompagner. Je vous remercie pour ça. Dans le domaine de la prévention, certains exemples concrets de soutien portent leurs fruits, notamment chez les enfants. Nous accompagnons les enfants sur l'espace périscolaire, qui est une période très longue, c'est-à-dire ils ne sont ni surveillés par les parents, ni accompagnés par les professeurs. Eh bien, là encore, à Païta, le taux de délinquance, de problèmes, avant il y avait beaucoup de bagarres sur les parkings, cela a quasiment disparu. C'est le rôle de la prévention. Quant aux foyers de placement, notamment pour adolescentes, c'est un nouveau départ. Quand elles arrivent, elles ont subi des maltraitances psychologiques, physiques, également beaucoup de carences éducatives. Notre mission, dans un premier temps, ça va être de les retaper et puis essayer de leur proposer une insertion professionnelle ou une rescolarisation. Dorénavant, pour se faire mieux connaître et aider le public, l'AZA.nc devient une autre source d'informations précieuses en cas de danger pour soi ou pour un proche.